Non, je veux juste avoir une discussion entre... D'accord, bah je tiens mon shotgun parce que toi tu tiens une sulfateuse. Ouais. Et voilà. Ah oui. C'est ta manière de communiquer à toi. Moi aussi je sais communiquer de la même manière que toi, PD. D'une manière de parler comme une autre, hein. Ah ouais, il est tu vrai mets que caviar. Tu vas bientôt crever, hein. Bon. Que, voilà. Je mange un œuf, moi. C'est très bon pour les protéines. Et j'en mange un deuxième. Comme ça, t'as unifié. Après, chacun son équilibre alimentaire. Est-ce que tu aimes manger des grenades? Ça, c'est un bon équilibre, regarde. Oui, enfin... C'est une question de point de vue, mais... Il est vrai que, bâtard, d'un certain point, une grenade peut être très appétissante. Alors là, tu sers vraiment à rien, par exemple. Je sais. Là, le mur... C'est que l'IA t'a un bug et que je ne peux pas avancer. Ah, si, je peux avancer. Tu peux avancer. Bon. Donc, on va reprendre les choses en main. Hein? Donc, on va discuter. Je te dis mon premier argument. Que je louche. Pas mal, en effet. Donc je tire, voilà, par terre, sans que je me tue en même temps. Eh mais, eh oh! Bonjour. Voilà. Maintenant que t'es mort, bah tu peux plus rien dire, ça qui est con. Je te prends ton argent. Bon, tu avais économisé, c'est mignon. Non, pas énormément. Ah, quand même un peu. J'ai dû m'acheter un nouveau béret. Ah bah oui, mais ça... Bah oui, bah... Voilà, quoi. Les choses se sont passées, il me semble. Les choses se passent, quoi, t'entends? Hein? Oui, j'entends, tu viens de gueuler, là, j'entends. De toute façon, Ada est elle-même une bouffonne de haut de gamme. Dans son style de pute, elle a des rives en décadence virtuelle. Car elle plonge vers la bite. Bah oui. C'est le genre qu'elle passe, elle suce. De toute façon, je sais que tu me kiffes. Hein? Et où, ce bâtard? Tu me kiffes à fond? Ferme ta gueule, t'es où? Monte-toi. Dans ta berline. Je me joue dans rien du tout. Si je te trouve, fils de pute, je t'encule avec du verre pilé, je te jure. Bah moi, si je te trouve, je t'attache dans mon camion, parce que j'ai de la corde, hein. J'ai mon camion, j'ai la corde, et je paye 20€ à un Zamel, et il t'encule, fils de pute. Ah ouais? Ah, tu vas crier comme une salope. Ah ouais, hein? Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. C'est la vérité? C'est mon ça, mon cul, si c'est la vérité. Tu crois qu'il me fait peur? La chatte à ta mère, la race à poutre. Bon, les zombies sont un peu grossiers ici, non? Ah mais moi ils me vénèrent, moi faut pas me vénère, parce que quand je me vénère, je suis trop vénère. Et ta mère? Ma mère, vénère, Zeref. C'est l'enfer. Wow. Je me présente, Molotov. Headshot, no scope. Ça te dit quoi, ça, hein? T'as pris cher, gros PD. C'est le mieux cadeau, c'est de la merde. Ah, y'a un solitaire là-bas. Oui, c'est celui qui a détruit l'hélicoptère, je crois. Va régler tes comptes avec lui en te lâchant. Attends. Détruit l'hélicoptère? D'où t'es au courant de ça, toi, PD? Tu me dis jamais rien. Ta gueule, ça. Voilà, quoi. Ah, je vois, là. Les pensées sont lointaines. L'avenir est si proche. Qu'est-ce qu'il fout? Des fois, je regarde la mer et je me dis... pourquoi pas moi? Pourquoi je ne serais pas ici, en ce monde? Et pourquoi... Telle est la question. Pourquoi je sens qu'il y a une odeur bizarre, pas loin, un parfum écœurant? Et pourquoi je... Pourquoi il manque un bout de mon pantalon? Bah parce qu'on a dû tirer dans notre jambe comme ça, quoi. Ah, je vois. Oh, je tombe même pas, quel beau gosse. Oh, c'est malheureux. C'est toi qui avais fait ça, PD, va. Oh, merci pour l'herbe, en tout cas. Je vais me rouler un de ces bédos avec ça. Ouf. Regardez-moi, je snipe, je suis une snipeuse. Bon allez là, Chandler nous a dit de garder la porte. Alors on bouge pas, on garde la porte. D'accord. Point. Bon, je tue lequel en premier? On bouge pas, on garde la porte. Non, je sais ce que faire. Quoi? Je m'emmerde. La gueule. J'ai envie de péter. Oh non, mon dieu. Ah non, faites pas. J'ai envie de péter. Non. Oh mon dieu. Avec le bédo, ça prend... Oh, j'ai pris cher. Ces zombies, c'est une vulgarité étonnante. Ils vont me prendre cher, je te jure, ils vont me prendre cher. Prenez cher, bande de bâtards. Hey, Jackie. Quoi? T'as pas vu de lumière, hein? Oh my god. On joue. Ah, ça refoule le vent, il vient vers moi, putain! Ah, les gars, ça craint! Hey, t'as vu la fumée noire? C'est quand même pas mon Linus qui a fait ça?
Non mais putain. Ada, regarde, il y a un trésor. Il y a un trésor là. Qui vole là-haut. D'abord, je les fume. Non. On garde la porte, on bouge pas. On bouge pas, et merde. Ok. Alors, je suis une boulette. Tu fais du lancer de grenade qui rebondit. Ouais, j'ai tenté un truc, mais... Jackie, on bouge pas. On garde. Go, équipe Rimbo. Oh. J'ai dit go, équipe Rimbo. Toi, t'es mort. Ouvrir la porte avec une grenade frag. J'ai plus de grenade, bordel de merde. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais aller... Tac, mais et toi? Alors ton pote, il pète et toi, tu rotes, mais tu te permets... Et ta sœur? Bâtard. Bon, attends, je prends le trésor. Je suis pas mort. Magnifique. Je suis pas mort. Ouais. Ah non, t'es pas mort, ça c'est sûr. Eh non. Tu vois, le temps que tu prennes ton trésor, je suis allé me descendre de la falaise. Je suis en train de nager, là, mais bon... Enfoiré. Moi, tu vois, je m'appelle Alain Bernard. Je tape le 100 mètres crawl 41 secondes. J'ai un baiser, un peu perché. Quel enfoiré. Bon, là, je suis en train de couler parce que j'ai tous mes vêtements, mais... Bah, on se retrouvera au prochain JO, alors, enfoiré de merde. On se retrouvera au prochain, scientifique, si tu veux. Ah, tu seras là? Je pense, ouais. Étant donné que mon personnage fait une apparition fulgurante, je pense que on pourrait me retenir dans le prochain casting. Ah, tu sais, on peut en discuter, hein. Moi j'ai été prise au dernier moment, vous en avez rien à foutre. Attends, ça se voit que t'es la remplaçante de quelqu'un parce que t'es moche, t'es conne et ton parfum il pue. Attends une seconde. Et t'es mal habillé aussi. J'espère que t'es juste en bas de la falaise, fils de pute, va. Tiens. Putain, tu fais voir la. Voilà. Fils de pute. Le château des sables de Jaffar. Si tu me dis. Alors, prends ou prends pas. Alors moi, j'ai une technique, c'est... Quand je sais pas trop me décider, je les prends très vite, comme ça j'ai pas réfléchir. Hop, 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 tu vois, hop là. Belle gosse. Comme ça, pas à réfléchir, mon tranquille. Ami de l'ail et des vagins. Je saute. Oh. Et gros balance. Oh my god. Oh, des fucking munitions. Je prends les cadeaux arbalètes. Partout où tu vas, ce que tu entends. Ça vient de la rue. Et cette grosse caisse qui perd ses tympans. Bah oui, ça vient de la rue. Pantalon large. Bah, il est pute en boîte. Ouh, t'as la page. T'as le string qui dépasse. C'est ton fiston qui se jette sur le quartier. Ça vient de la pute. Si ta fille rêve, d'une bite comme Beyoncé. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? T'as la gaule? C'est moi qui ai fait cet effet-là? C'est bon, ça? T'es excité à ce point-là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on fasse amour? Qu'est-ce qu'il y a, beau gosse? Putain, mais on peut faire l'amour plus tendrement! Mais t'es con! Ça! Ça! Prends! Oh là! Excuse-moi, Dada. Je sais pas ce qui m'a pris. Oh putain! C'est moi qui domine dans le couple! Si tu veux qu'on fasse amour, faut vraiment qu'on retire ce parasite de ton corps, tu sais? Ouais! Mais d'abord, il faut que je sauve Ashley. C'est pour ça avant tout. C'est vrai, on fait comme ça alors, séparation. Putain, qu'est-ce que t'es bonne.